c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment rendre l'aigu beaucoup plus facile au trombone. Alors attention, pas de solution miracle, ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain et que ça ne va pas demander de travail non plus. Mais c'est possible d'y arriver, puisque à la base, j'ai pas un très bon aigu du tout. Mais j'ai cherché les techniques et puis je me suis entraîné et puis au fur et à mesure, c'est venu. Alors déjà, la première chose à laquelle vous devez faire attention, ça va être de respecter quelques règles de base. Donc je me les suis notées là pour vous. La première, ça va être au niveau de vos sens de travail. Puisqu'avant de chercher à développer l'aigu, il faut s'assurer que dans votre façon de travailler, vous soyez dans un cadre qui soit propice à votre développement de l'aigu. Je m'explique, si votre but c'est absolument d'avoir de l'aigu mais que vous travaillez qu'une seule fois par semaine et de votre séance vous faites que de l'aigu, en fait vous allez juste vous cramer et vous n'allez jamais réussir à progresser. Par contre, si vous installez les bonnes bases en termes de séances de travail, c'est-à-dire jouer le plus régulièrement possible, même peu, c'est-à-dire je préfère vous voir jouer, et pour prendre un cas extrême, 6 fois 10 minutes plutôt qu'une fois 1 heure par semaine, si vous respectez ça, déjà, ça va être beaucoup mieux. Donc, première chose, ça va être vraiment de jouer régulièrement. Donc, si vous ne pouvez pas jouer 6 fois par semaine, 3 fois, c'est le grand minimum, mais vraiment grand minimum. Rapidement, je vous invite à passer à 4 ou 5 fois. 10 minutes à 20 minutes, ça suffit. Mais essayez de sortir le plus régulièrement possible votre trombone. C'est comme ça que vous progresserez. Parce que si vous sortez juste une seule fois ou deux le trombone dans la semaine, ça va être très très dur d'avancer. Même si vous faites des séances longues. La deuxième chose, ça va être au sein de vos séances, il faut vraiment aménager des pauses régulièrement. En effet, si vous enchaînez vos 20 minutes sans décoller l'embouchure, ça va être compliqué. À la rigueur, sur 20 minutes, en fait, vous allez avoir joué que 10 minutes au total. Donc, il y a plusieurs moyens d'aménager des pauses. Par exemple, vous faites 5 minutes, 2 minutes de pause, 5 minutes de jeu, 2 minutes de pause, 5 minutes de jeu. D'après mes calculs, on doit être à 19 minutes, donc là, c'est pas mal. Ou alors, vous alternez, en fait, si vous voulez pas vous prendre la tête avec ça et pas vous mettre de chronomètre forcément toutes les 5 minutes et refaire 2 minutes, etc. Certains le font, moi je le fais, hein, mes séances je les organise comme ça. Mais sinon, vous pouvez aussi chanter ce que vous jouez. C'est très important pour développer votre oreille et avoir directement les bonnes notes lorsque vous jouez au trombone. C'est que le moindre exercice ou le moindre morceau que vous faites, un coup vous chantez, un coup vous jouez. Enfin, il y a un autre point qui est très important, ça va être la langue. Ça, c'est dans les techniques de base aussi. C'est la langue, elle peut vous bloquer et avoir une langue trop lourde, surtout quand on attaque dans l'aigu. Moi, c'est un problème que j'ai eu pendant longtemps. C'est pour ça qu'au départ, mon aigu, quand je travaille quelque chose de nouveau dans l'aigu, je fais en sorte de tout travailler legato. Nous verrons un exemple avec ça. Donc, vous l'avez compris, déjà, pour travailler l'aigu, il faut installer en premier lieu des bonnes bases. Et si vous êtes débutant ou novice ou même intermédiaire et que vous voulez bien asseoir ces bases-là, je vous invite à vous inscrire au kit de démarrage du trombone jazz. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et vous allez donc revoir toutes les bases, comment bien souffler, etc. Et vous apprendrez aussi des choses sur l'improvisation, sur les accords, comment ça fonctionne, etc. Donc un cours très intéressant, qui est très complet et qui est 100% offert, donc n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Alors, on va arriver au deuxième grand point que je voulais vous dire pour réussir à développer son aigu, ça va être de repérer votre limite actuelle à l'aigu. Pour la plupart des gens, ça va être le fa ou le sol aigu. Même pour les débutants, peut-être le ré aigu. Donc en gros, ça va s'arrêter ici pour le fa. Mais ça peut être le ré. Donc à vous de repérer où vous arrivez à être à l'aise en jouant. Et je dis bien à l'aise parce que les notes où vous êtes obligé de
vous crispez et où ça sort difficilement, considérez que vous ne l'avez pas encore, ok? Donc repérez plutôt une harmonique, c'est pour ça le sol va pas trop compter, mais entre le ré ou le fa, repérez un petit peu où est votre limite. Et ensuite, vous allez augmenter graduellement cette limite, mais surtout, soyez patient, prenez votre temps pour développer votre aigu, pour développer l'atteinte des notes dans l'aigu. Donc ça va être une grande phase, ça qui peut durer quelques mois, sur lesquelles vous allez essayer de monter à palier. Donc si vous êtes bloqué au ré, essayez d'atteindre le fa. Et si vous êtes bloqué au fa, essayez d'atteindre le si bémol. Alors comment on fait ça concrètement? Admettons que vous êtes bloqué au fa. Déjà, faites une souplesse qui va jusqu'au fa. Alors une souplesse, c'est quoi? Si on joue sur les harmoniques du trombone, donc tout ce qui est sur une même position. Là, je suis qu'en première et je vais faire si bémol, fa, si bémol, ré, fa. Donc vous allez le faire en montant et en descendant. Donc on part du fa et on descend. Quand vous partez du fa aigu, assurez-vous déjà que la première note, elle est bien stable. Donc pour ça, il faut directement envoyer une certaine vitesse d'air, bien dynamique, sans forcer, pas besoin de faire... Mais voilà, il faut que ça part directement, comme un lancer de fléchette. Et surtout, l'air, il faut le garder même quand on descend vers le grave, car une erreur que l'on fait très souvent, c'est que en allant vers le grave, on diminue le souffle. Alors qu'au contraire, même quand on va vers le grave, on continue de bien souffler. Voilà, pendant que je suis en train de souffler, dans ma tête, j'entends. Ok, on souffle tout le temps. Avec tout un bloc, limite pensez un léger crescendo tout au long de votre phrase. Donc cet exercice, ensuite vous le répétez sur chaque position. Donc là je vais assez vite pour vous montrer, mais vous pouvez faire plus lentement au départ, pas de souci. Comme ça. Déjà, assurez-vous que c'est bien stable, que ce soit bien fluide au niveau des transitions des notes, qu'on ait bien et pas des trucs brusques comme ça, pas de langue non plus, hein, pas de to-ta-ti-té-ta, mais vraiment comme un léger glissé, donc comme un léger glissé entre chaque note. Et ça, vous pouvez vous entraîner à le faire aussi à l'embouchure. Donc chaque note bien droite, pour un glisser droit, glisser jusqu'à la suivante, on tient et puis on glisse à la suivante, etc. Je vous le refais lentement pour bien que ce soit clair. Donc à l'embouchure, vous pouvez faire ce glisser, au trombone, vous ne pourrez pas, mais vous allez quand même le penser comme ça dans votre tête. Donc vous pouvez alterner comme ça, chanter avec le glisser, puis embouchure avec le glisser et dans le trombone en pensant seulement glisser, et puis ça va faire quelque chose de fluide au trombone. Une autre chose importante que je ne vous ai pas dit, c'est d'avant d'atteindre ce fa aigu, si c'est ça votre limite,
Commencez tranquille en faisant au départ toutes vos souplesses juste sur si bémol, fa, si bémol. Même chose en deuxième. Évidemment, elle est dans les deux sens aussi, donc on va le faire en remontant l'autre sens. Ensuite, vous pouvez aller jusqu'au si bémol. Etc. Et jusqu'au ré. Etc. Je vous recommande vraiment d'y aller progressivement pour habituer vos lèvres à vibrer souvent, etc. Pour gagner en homogénéité et puis pour maîtriser cet exercice qui n'est pas du tout simple quand on le démarre. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes et que vous avez atteint le fa aigu, vous pouvez cette fois-ci partir de la septième position, le mi. Et on va rejouer un mi aigu au-dessus. Alors attention à ne pas jouer un ré. On pourrait, hein, mais on va faire directement le mi. Donc regardez, je pars du si. Donc si je fais si ré, c'est pas bon, ça va être ça. Et on va faire plutôt si mi. C'est histoire d'entendre directement l'arpège. L'arpège majeur. Si c'est trop dur au départ, une autre alternative, c'est de partir directement du mi médium et juste faire l'arpège majeur. Mi, sol, si, mi. Donc évidemment, c'est pas forcément simple au début, hein, parce que comme il y a beaucoup de tuyaux, là on est tiré au maximum. Déjà, avoir juste le mi. Voilà, ça c'est le sol. Le mi, il faut bien le centrer, mais si vous vous êtes bien entraîné à faire les précédentes souplesses, si vous les avez bien fait, vous commencez à être habitué à ces problèmes de longueur de tuyau, donc vous ne devriez pas avoir de soucis pour atteindre ce mi directement correctement. Évidemment, ça se fait sur le long terme, hein, avant de faire l'exercice que je suis en train de vous montrer, il faut avoir passé quelques semaines à avoir travaillé le reste avant. Vous pouvez le faire dans le sens inverse. Et donc pourquoi je vous fais partir du grave? C'est parce que maintenant on va remonter petit à petit vers l'aigu. Et forcément, c'est plus facile de partir du grave, ça fait moins de tension au niveau des lèvres. Donc on va continuer, on va faire maintenant à partir du fa. Ce que je vous recommande, c'est que plus vous soufflez, plus vous imaginez que vous éloignez l'embouchure de vous pour être sûr comme ça de ne pas appuyer l'embouchure. Par exemple, donc quand je fais cette phrase-là, j'imagine que je fais... Alors qu'en vrai, je reste quand même collé, mais en fait, ça m'évite de appuyer quand je vais aller vers l'aigu. Ok ? Donc j'imagine que j'éloigne un peu l'embouchure, c'est une astuce qui marche plutôt bien. Vraiment, servez-vous de la vitesse d'air pour atteindre ces notes aiguës. Dès le départ, faut avoir un air actif. Mais il ne faut pas hésiter en allant vers l'aigu. C'est comme si on compressait un petit peu plus le ventre pour envoyer un peu plus d'air. Mais dans le reste du corps, par contre, ok, au niveau du ventre, on met un petit peu cette tension. Par contre, le reste, bien souple. La gorge et tout. Et puis, par contre, un masque bien fixe, bien marqué au niveau du masque. On part ensuite de la cinquième position. La quatrième, pardon.
évidemment, vous pouvez faire à l'embouchure de temps en temps. Je vais le faire avec le la bémol. On peut faire aussi avec les effets de glisser, etc. Ensuite, la deuxième. Donc c'est un excellent exercice, en plus là on reste tout le temps dans l'aigu. Alors évidemment quand vous avez fait ça, tout de suite prenez une pause derrière ou refaites un petit peu de grave, par exemple les souplesses jusqu'à si bémol. Voilà, vous refaites quelque chose comme ça pour redétendre un petit peu les lèvres juste derrière. Parce qu'elles vont être très tendues, donc faut pas faire ça trop longtemps. Au début allez-y petit à petit et cherchez pas à atteindre le si bémol en une seule séance. Première séance, juste le mi, puis ensuite la sixième position, puis la cinquième, etc. Voilà, découper les choses pour que ce soit vivable et que ce soit plus simple. Donc je crée des méthodes aussi pour vraiment vous guider étape par étape. Là, sur une seule vidéo YouTube, je suis obligé de vous mettre plein d'informations d'un seul coup, donc c'est pas idéal. Donc si vous avez besoin d'être guidé là-dessus, je vous encourage encore une fois vivement à vous inscrire au kit de démarrage du trombone jazz, puisque régulièrement je sors des formations sur différents sujets qui posent problème. Ça peut être l'aigu par exemple, et donc quand je sors une formation sur l'aigu, vous serez au courant déjà d'un qu'elle est sortie, et en plus vous aurez le droit à un tarif préférentiel, puisque à chaque sortie de cours pendant une semaine, j'offre la formation à moitié prix. Donc je l'offre pas totalement, mais je la fais à moitié prix pendant une semaine lors de la semaine de lancement. Et ensuite elle apparaît sur le catalogue au prix final, donc vous pouvez toujours la retrouver sur le catalogue, mais ce sera deux fois plus cher. Donc le seul moyen d'avoir accès à ces formations à un prix préférentiel, c'est de s'inscrire aux emails, et ça on s'y inscrit en suivant le kit de démarrage du trombone jazz tout simplement. Donc vous ferez d'une pierre deux coups, c'est vraiment très avantageux pour vous d'aller de suivre ce cours là Et donc, voilà, de temps en temps, je donne des astuces et surtout des conseils, des méthodes complètes pour être guidé étape par étape pour résoudre vos problèmes. Donc, ça peut être intéressant pour vous, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Une dernière chose pour travailler l'aigu qui peut être pas mal, là, c'est quand on travaille un morceau spécifique, c'est d'y aller par accumulation. Par exemple, ce que je vous ai joué en introduction, c'est un morceau Nils Landgren, que j'ai fait travailler à des élèves récemment. Et il a bien plu parce que c'est un morceau super joli. Et puis les élèves s'en sont très bien tirés. Et l'intérêt de ce morceau, donc, c'est qu'il est tout le temps dans l'aigu. Vous l'avez vu, le passage que j'ai fait, c'est quand même assez perché. Et pour travailler ça, alors au départ, je le fais travailler dans le grave. Et quand je me mets à le travailler dans l'aigu, quand je le fais travailler dans l'aigu, un truc qui marche très très bien, c'est d'y aller par accumulation. Par exemple, on va faire juste la première note, on rajoute la deuxième, la troisième. Alors on essaie de faire en sorte que ce soit correct dès le départ. Ensuite la quatrième, la suivante, voilà. Et voilà, et ainsi de suite, je rajoute des notes. J'essaye un maximum d'être legato aussi sur cette phase-là où j'accumule les notes. C'est pour pas être embêté par ma langue qui, moi, personnellement, me gêne souvent. Même quand je parle, on vient d'avoir un exemple. C'est souvent que ma langue me bloque pour articuler, même en parlant. Je dois avoir la langue trop lourde ou
pas assez dynamique, je ne sais pas. Mais du coup, c'est pour ça que j'évite de l'utiliser quand je suis en train de jouer et que je découvre quelque chose de nouveau, surtout dans l'aigu, parce que souvent elle va me bloquer l'air en fait, donc j'évite de trop la bouger. Donc je vais pas le faire à chaque fois, enfin trop longtemps parce que là je vais me cramer. Mais vous voyez un petit peu l'idée, comment vous pouvez travailler des morceaux dans l'aigu. Donc c'est vraiment très intéressant aussi. Encore une fois, ne pas faire trop longtemps. Je sais pas, mettez-vous un chrono quand vous êtes en train de bosser l'aigu, que ce soit sur des exercices ou sur des morceaux, et dépassez pas 5 minutes sur une séance, ok? C'est déjà très très bien pour démarrer, peut-être même juste 2 minutes. C'est pour être sûr que vous ne vous cramiez pas. Pour le reste, vous revenez dans le médium. Parce que peut-être ça va passer une journée hein, de faire 20 minutes d'aigu, et encore. Mais le lendemain, vous allez voir que vous ne serez pas frais du tout. Ou alors si vous faites ça 2 jours de suite, il y a un moment donné où vous ne serez plus du tout frais. Et vous aurez perdu toute votre qualité sonore sur toute la tessiture. Donc il faut vraiment bien gérer ça quand on travaille notre aigu. Donc vraiment, je vous recommande pas plus de 5 minutes sur une séance. Voilà pour ça. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas que si vous voulez aller plus loin, vous avez accès au kit de démarrage du trombone jazz. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!